station noire était occupée par les fascistes. Nul doute. Mais Ullman m'avait dit qu'il m'y attendrait. Je devais prendre le risque. Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va, franchement, je reviens de combat assez intense, je n'ai rien compris, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour le 12e épisode de Métro 2033 Redux, nous sommes à la station noire, donc qui est occupée par les fascistes. Autant vous dire que c'est le bordel et que le dernier épisode était assez compliqué, je vais pas vous mentir, j'espère que celui-ci sera un peu plus paisible, ça m'étonnerait. Allez, on vient de se faire cramer. Aïe, aïe, aïe. Oh, mon frère. T'es un beau gosse. Est-ce qu'il t'a pris autant de temps? Où est Pavel? Est-ce qu'il... Ah, très bien. Plus tard. La situation s'est empirée. Les fachos ont littéralement envahi la station. Il va devoir te débrouiller seul, désolé. Mais si tu peux éteindre leur générateur, ce sera plus facile de te faufiler sans que les gardes te repèrent. Prends ça. Je t'attendrai dans le tunnel déserté qui mène à police. Ok, merci. Ouais. Monsieur. Ça m'embête un peu. Elle est pas mal ton arme. Mais j'ai déjà des armes un peu d'infiltration. C'est des munes qu'il me faudrait en fait. Et ben voilà. Bon les gars, on est donc infiltré. En intérieur, il y a des pièges. Il y a des pièges. Hop. Comment va ta famille? Les enfants réclament leur père. Et toi? Je sais pas. Soyons discrets. Je me suis fait cramer. Oh là là, il a évité toutes mes balles. Putain, je me suis fait cramer comme une merde. Ok. Nous portons tous une armure impénétrable et même une fois débarrassés de nos protections ou de nos vêtements, notre méfiance demeure. Nous avons peur de nous ouvrir aux autres, de montrer nos sentiments, de prendre le risque d'être compris. Nous cachons nos visages sous des masques à gaz, mais nous portons sous ce dernier un autre masque. Ullman apparaît ainsi comme l'incarnation même de l'optimisme ou comme un incorrigible pitre. Mais j'ai pu voir son vrai visage lors de la mort de son camarade. Il avait l'air épuisé, presque désespéré. Cela n'a duré qu'une seconde. L'instant d'après, il avait de nouveau revêtu son armure et lançait ses plaisanteries habituelles. Je ne l'ai pas poussé à se confier à moi, pas plus que je n'ai l'intention de me confier à quiconque. C'est bien. Restons discrets. Ne parlons pas trop aux autres. Ça vaudra mieux pour tout le monde. Si j'appuie dessus, ça va déclencher une alarme. Je les ai tués à temps. Alors faut surtout pas appuyer dessus, hein. C'est obligé, hein. Parce que là je suis pas cramé encore. Je suis pas cramé dans tout le reste du... Je voulais voir si je pouvais pas ramasser des munitions encore, mais... Ah. Ça c'est mes fléchettes que j'ai envoyées. Ah ok. Oh, des munitions. Je prends. Allez, on continue. On part sur un labyrinthe. C'est drôle.
quelle idée à la con de s'infiltrer ici. Tout seul dans une, dans un métro avec que des ennemis quoi. Ah ouais. Non non, y'a personne. On va aller de l'autre côté. Ça revient au même. Ah non. Oh. Putain. Comment il peut me voir si je le vois même pas ? Je vois même pas le gars. Oh là là. Bon, vous savez quoi? Vous savez quoi? Juste pour allumer. Ok. Je pensais que ça allait déclencher une alarme. Je suis pas serein, les gars. Je déteste ce let's play, voilà. Ils disent il faut pas qu'on aille là. Je comprends pas. Oh, faut que je traverse. Ok. Et ben voilà. Je suis parti à temps. Ah. Quelqu'un va venir. Ouais ouais, vous délirez. Ils sont chiants à mettre des pièges partout hein. Quelqu'un arrive. On y va. Ah putain. Ils ont allumé la lumière. Elle est là, la boîte de conserve. Bon, dans tous les cas, je vais me faire cramer. Bon, en théorie, ils peuvent pas venir de là. En plus, ils savent même pas où je suis.
Headshot. Où est-ce qu'il se planque ? Il a peut-être filé. Merde. Bouge pas. Bon, je suis désolé pour le peu de commentaires hein, sur ce gameplay. Voilà. On éteint tout. À moi. Je me suis fait cramer comme une merde là. Je me suis laissé surprendre. Non, non, tu recharges pas, tu vas crever. Voilà. Ouais, je vérifie juste derrière moi. Hein. Oh. Et ben voilà. On vient de couper leur courant. Hein. On a coupé leur générateur. L'arme là, je sais pas ce que c'est, mais... On dirait un fusil à pompe. Ça m'intéresse pas. Vous avez plus de courant, les gars. C'est fini pour vous. À moi tout seul, je vous détruis. Même si j'ai peur. Faut que j'aille où là ? Ah, j'étais en haut avant. Il y a tellement d'endroits. Je suis infiltré. Alors, quoi de neuf ? Ils sont au-dessus de moi. Quelqu'un l'a vu ? Pas moi. Bon, je suis désolé, on voit pas grand-chose, hein.
calme. Bon, on cherche. Ah, je suis de nouveau là ? Ah non, je suis pas au même endroit. Wow. Eh les gars, il y a tellement de passages. J'éteins toutes les lumières. Je sais pas où on est. Oh. À moi. On récupère. Wow. Il y a tellement de chemin, les gars. Alors lui il est bourré. On va faire gaffe au piège. Y'a rien. Y'a rien. Ok. Oh attendez. C'est de là que je viens. C'est là où il y avait mon pote. Ok. Oh ouais. Qu'il est con lui. Des toilettes. J'adore les toilettes. Alors vous remarquerez qu'ils parlent après leur mort. C'est quoi? Ok. Oh là là, je sais pas où je vais. Je sais pas où je dois aller, je sais pas où je suis. Il y avait tellement d'endroits à explorer les gars. J'ai raté beaucoup de choses à mon avis. Je vais peut-être pas sauter là-dedans. Je crois que j'ai pas le choix. Ça va où là?
genre. Genre ils m'ont vu. Ils sont pas très fut de suite hein. Heureusement d'ailleurs. C'est quoi de ces métros? Il y a tellement d'endroits, les gars. Il y a trop d'endroits, vous comprenez? Je comprends rien moi. What? Je suis revenu au point de départ? Oh non. Je suis revenu au point de départ sans avoir remarqué. Ah bah oui. Ah ouais, c'est chaud. Je suis revenu au point de départ, les gars. Il parlait tout seul. Bon, je dois aller ou je dois faire quoi? Parce que là, j'ai vidé tout le métro là. Je viens de récupérer des clés. Ok, j'ai récupéré des clés. Là, il y a un passage là. On l'avait pris avant ce passage, je pense. Eh, là, il n'y a plus personne dans le métro. Hein. Là, les gars, on a buté tout le monde. Hein. On a une clé. Ça va nous être utile pour une porte. Ah, je me rappelle d'ici, on peut monter les escaliers. Bon. Là, j'ai plus de risque de me faire cramer. Tout le monde est mort. Ah ouais, on était déjà là. Oh là! Ouais. Des munitions, c'est tout. Y'a rien d'autre. Ok. Eh les gars, mais non, je viens de là. Je viens de là, vous vous rappelez? Qu'est-ce que je dois faire? Oh non. Ça va être encore un truc super relou à trouver. Ah. Bah non. Bonjour. Ça va?
Là, ici. Il y a tellement d'endroits. Mais on a tout vu là. On a coupé le générateur. Ça va pas m'aider ce plan. Là. Oh. C'est quoi ce petit accès là? Ça mène à rien. Bah là en gros je pense qu'il faut qu'on trouve une porte hein. Et ben voilà. C'est pas là. Don't open. C'est pas ça. Il faut qu'on trouve une porte maintenant. Eh ben. Et comme je tourne en rond depuis tout à l'heure, ça va être un peu complexe. Je suis au même endroit qu'avant. Tiens, on peut rallumer les lumières. Bon les gars. Ce jeu, non seulement il fait peur, il est dur, mais il est surtout très complexe. Là, on n'a pas raté une porte. Ah, je suis nouveau tout début. Là. Ah ! Si, j'étais déjà là. Je comprends pas où je suis, mais j'étais déjà là. Peut-être une porte à ouvrir là ? Non. Là. Oh. Oh. Bon, de toute évidence. Attendez, c'est bien une clé que j'ai récupérée. Où c'est qu'on voit son inventaire ? Je ne sais pas. Faut qu'on aille là, non? Bah voilà. Faut descendre. Yes. Un nouveau masque à gaz en plus, c'est parfait. Ok. C'est dégueulasse. T'inquiète. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai coupé le courant ou je l'ai activé? Non, j'ai coupé. Bonjour monsieur, tout va bien? Le métro étouffe tout espoir de miracle et enseigne à vivre sans rien attendre de l'existence. Et pourtant, le fait que j'ai réussi à traverser la station noire et ses hordes de fachos me semble miraculeux, mais c'est clair. On aurait dit que j'étais guidé par quelque chose. S'agissait-il de mon stupide espoir? À moins que ce ne soit le destin lui-même. On va aller à gauche. C'est un cul-de-sac. Alors on va aller là-bas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas croisé de mutants. Ça me fait peur. Non, on a mis de la lumière là. Le courant fonctionne. Bonsoir. Oh, il va se passer quelque chose. Hein. Il va se passer une dinguerie. Oh! Oh gros. On atteindra bientôt police. Tu m'as abandonné quand même hein. Frérot, tu m'as abandonné hein. Je compte plus sur toi. Hein. Wow. Ah, ça fait plaisir. Les mutants sont différentes. C'est autre chose. C'est pire encore. What? Hey? Hey? On est où? Il se passe quoi? Hé,
Phénomène étrange, n'est-ce pas? Mais tu sais, ce n'est pas plus traître que le feu, dirons-nous. Tout dépend de ton point de vue. Essaie de mieux comprendre les événements avant de te forger une opinion. Il faut partir, on n'est plus en sécurité ici. Bon, on a reconnu la voix de notre frérot Shintok. Difficile de décrire ce que je ressentais à ce moment-là. J'étais exténué, mais heureux. J'avais réussi. Une fois le message de Hunter transmis, ma station serait sauvée par des hommes plus forts et plus puissants que moi. Et j'aurais accompli ma mission. Wow! Eh les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Est-ce que vous croyez qu'on approche de la fin du jeu là? Chapitre 5, l'espoir. Je ne sais pas combien il y a de chapitres. J'ai peur que ce chapitre va finalement en créer un qui, tu vois, l'espoir, mais finalement après ça va mal se passer, je ne sais pas. C'est une bonne question, n'oubliez pas le pouce bleu et j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. Je suis content d'avoir réussi, je vais pas vous mentir. C'était Mkolo, je vous fais plein de bisous, à la prochaine. Ciao tout le monde!